Je suis au golf de Brive, je vais vous faire une petite vidéo sur comment je m'entraîne au putting. Parce qu'ils ont une bonne zone d'entraînement. Le putting est pas mal. Je vous ferai une vidéo aussi sur. Un peu devant. Sur mes sorties de bunker. Parce qu'ils ont un bon bunker avec un bon chipping et tout ça. Donc voilà, on est parti pour une bonne vidéo. J'ai regardé, voilà, c'est ça que je vous disais. Ils ont un bon. Une bonne zone avec un autre putting green derrière. Un autre chipping green pardon derrière. Là, le putting, c'est ce qui nous intéresse. On va là-bas. Ouh, il fait pas chaud. Bon, je vais vous parler d'un truc. C'est, vous voyez cette tache là, marron, enfin vert foncé. En fait, c'est parce que le green était gelé et que des gens ont marché dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait les greens sont fermés l'hiver souvent. C'est parce qu'ils veulent pas que, ils veulent pas que ça fasse ça en fait. Après, ça fait vraiment des tâches et c'est dommage parce que le putting green est magnifique et les gens n'auraient pas marché dessus quand il était gelé, il serait encore plus beau. Donc c'est dommage. Allez, on va s'entraîner. Bon allez, je vais m'installer tranquillement. Il fait pas chaud là. Il fait pas très chaud. On est parti pour une série. Mon pro que j'avais avant, il était vraiment horrible. Enfin horrible. C'est pas du tout ça le mot. Mais genre, il était vraiment intransigeant vraiment, sur le putting. C'est-à-dire que chaque exercice, je vais vous en montrer d'autres après. Je vous expliquerai par la suite. C'était un peu horrible quand même, comme façon de faire. Ce qui est important dans cet exercice en fait c'est vraiment de se sentir à l'aise en fait. C'est vraiment, une fois qu'on sort de là, on est à l'aise sur ces puttings à 1 mètre quoi. De jouer les mêmes balles aussi, c'est très important. Et de jouer les balles qu'on joue sur le parcours. Ça sert à rien de putter des Pro One ici si vous jouez des top flights sur le parcours, c'est inutile. Vous n'aurez pas du tout la même sensation de jeu. Celle-là l'a touché. Bon, on va recommencer. Je vous ferai un accéléré. On va recommencer. Et en fait, le but c'est vraiment de d'en faire une douzaine, une quinzaine, sans se rater en fait. J'aimerais bien enlever le drapeau, mais il est collé au fond. Ils sont collés. Pourquoi moi je le trouve plus petit le trou quand il y a le drapeau. C'est-à-dire qu'au lieu de viser plein de trous, bah, je vise sur le côté. Et du coup j'ai quand même demi-trou. Donc oh, trop de rapidité. On repart à zéro. Alors je voulais dire, putting c'est comme ça. J'ai mal travaillé en ce moment l'hiver comme ça j'aime bien. Ah oui, si vous, par exemple, vous savez que vous allez faire du putting pendant, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, vous allez piétiner le green comme ça, là. Mettez des chaussures plates, des chaussures des villes de tous les jours, vous n'allez pas les salir. Et ça évitera de bousiller le putting en fait. Déjà qu'on l'abîme avec des chaussures plates, on avec des crampons. C'est pas le but. C'est vraiment de pouvoir, en fait vous faites ça avant chaque partie que vous allez faire, vous avez la vitesse des greens mais instantanément. À la fin du putting green, vous sortez, vous avez la vitesse. C'est-à-dire que vous savez comment vous devez doser vos putts. Ça c'est quelque chose de vraiment bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas
sur le parcours en me disant est-ce que ça roule, est-ce que ça roule pas. Voilà, vous faites ça tant que vous réussissez pas, justement, 4-5 séries d'affilée, vous recommencez à zéro. Enfin, vous faites comme vous voulez, donc c'est ce que je fais. Donc là, on va faire des potes plus longs. On va être aux environ d'un mètre. On va se rajouter encore 10 mètres. Et un. Donc là, je me suis rajouté un pote de 2 mètres, un pote de 3 mètres et un pote de 4 mètres. Au pote de 2 mètres, on va dire que. Je dois en mettre 4 sur 6, on va dire. 4 sur 6. Donc je mets les 4 sur 6. Et les deux autres doivent être donnés. Hein. Les deux autres doivent être à 4 mètres derrière. Ou 2 mètres devant. Donc 4 sur 6, rentrée. 2 sur 6, donné. Ensuite, je passe aux 3 mètres. Où là, je dois mettre entre 2 et 3 sur 6. Donc 50-50. En rentrée donnée, on va dire. Donc on va dire 3 sur 6. Entre 2 et 3 sur 6, ouais. On s'accorde une petite marge. Allez, on va dire 3. Et à 4 mètres, on doit toutes les mètres données. En rentrée 1 ou toutes les mètres données. Rentrée 1, ça serait le top. Sinon, on va toutes les mètres données. Et si on rate une fois, on recommence. Des 2 mètres. C'est ça qui nous faisait faire notre pro. Et nous, en fait, on recommençait des 1 mètre. On recommençait le premier exercice. Et on tapait, on tapait, on tapait, on tapait. Et je peux vous dire que quand vous ratez votre dernière balle à 4 mètres et que vous devez retaper tout l'exercice, et vous vous appliquez sur la fois d'après. Donc allez, on y va. Sur 3. Ah, moi, si vous voulez vraiment vous dire je veux être joueur pro, au début, si vous vous lancez, je sais pas, vous êtes 36, vous dites vas-y, je veux devenir 0. Vous vous dites sur le putting, je suis intransigeant. Il est 1, 2 mètres, j'en rate pas un. Et là, vous arrivez sur le parcours, il n'y a personne qui peut vous battre. Entre 1 et 2 mètres, vous en ratez pas. Sur n'importe quelle pente, je parle pas d'une pente à plat. Là, c'est vraiment un travail de footing, des sensations, et de... pour trouver des vitesses et de chemin de club. Vous voyez, elle est un peu ratée, mais elle est donnée. On passe au deuxième exercice.
rampe 2, franchement, je suis content. Sur la prochaine série. C'est rare. Il commence à pleuvoir. Là, on doit rentrer une et toutes les mettre données. Donc là, on se met pas de stress. On doit rentrer une, rentrer toutes les données, et si on en rentre une, c'est vraiment pas mal. Ça peut commencer un peu bordelé. Ça va encore. Celle-ci est limite. Encore ça va. C'est un peu mieux. Ça allait vraiment valider. Hop, on repart là-bas. 3, 2, la troisième dedans, ça serait tout. Objectif atteint. Faites ça, je sais pas, une fois par semaine. Bon, je l'ai fait, ça fait deux fois cette semaine. Faites ça une fois par semaine. Dans de bonnes conditions, hein, là il commence à pleuvoir. Je sais pas si c'est pas de la neige. Et vous bossez, vous êtes intransigeant sur le fait que si vous ratez, ben vous recommencez. C'est comme ça que ça rentrera. Et puis vous travaillez votre chemin de club calmement, tranquillement. Je vous mettrai une vidéo en lien là, je crois. Comme ça, vous irez voir la vidéo des tout bros avec Philippe Lima, je crois, c'est ça, qui parle du putting justement. Ils ont demandé l'avis d'un pro par rapport au petit jeu, enfin au jeu en tout genre. Et lui, c'est le putting, être intransigeant en putting. Donc allez voir cette vidéo, elle est cool. Bon, moi je vais me rentrer au show. Et quelques potes, pardon. Et je vais rentrer au show parce qu'il commence à crier. Et ce week-end, je pars sur un beau golf. Donc j'ai pas envie d'être malade. Déjà, comme mon avis, il va pleuvoir malheureusement. J'ai pas envie d'être malade, j'espère que je vais pouvoir vlogger. Et voilà, sur ce, bonne vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, lâche un commentaire, lâche un like. Et surtout, entraîne-toi. Y'a que ça qui compte, y'a que ça toi, et amuse-toi. Allez, à plus.